Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire. Ça sera un vendredi inoubliable pour les Lions du Sénégal parce qu'on va gagner, on se doit de gagner la Coupe d'Afrique des Nations comme nous on fait de gré ou de force. On doit remporter la Coupe d'Afrique des Nations et il est temps de remporter notre première Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je coupe le New Bug. Sénégal coupe le New Bug. Tiens, donc c'est ça, hein? Donc on va remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Donc là, je vais vous lire un message poignant. Donc d'un inconditionnel de Grégoire. Donc d'un grand connaisseur de foot, Demo Daounia. Donc c'est un abonné de Grégoire, c'est un inconditionnel, mais aussi un fervent supporter des Lions du Sénégal. Donc Nana, cher Lion, depuis le début de cette CAN, vous nous avez fait rêver. Donc Nana, Gani Ndiaye, depuis que CAN démarre, nous avons eu Begel, maintenant, c'est l'heure de la concrétisation, c'est l'heure de la réalisation de ce rêve. Maintenant, il est temps de gagner, il est temps de nous dégueul. Donc, vous êtes à la porte de l'histoire et vous avez l'opportunité d'entrer et de laisser votre empreinte au panthéon du football sénégalais. Actuellement, vous êtes au porte de l'histoire. Vous êtes à Buntu, histoire, bindi sen propre histoire. Et donc, laissez sen empreinte, bâillez sen empreinte à jamais comme étant les premiers, donc à avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations sous le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Il faut que ce rêve soit réel. On va ramener la Coupe ici au Sénégal et j'en suis sûr que vous avez les moyens pour réaliser. Pour le talent, vous en êtes petit. Actuellement, on a le talent, le Sénégal a le talent pour donc réaliser ce rêve, c'est-à-dire remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Mouné, le Djom, le Foula et le Faïda, légués par vos ancêtres. Djom, Foula, Faïda, bien ramené, sur ma mignonne cobaël, donc Moujien, donc Gumlen Serbob, Gumlené, vous pouvez réaliser ce rêve et gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Mouné, c'est un combat, un duel d'hommes que vous allez mener, mais croyez-moi, donc vous n'êtes pas seul dans ce combat. Nena, il faut gourner de Khengendev, donc Kharingen Devi. Vous n'êtes pas seul parce que le peuple sénégalais est derrière vous. On vous a accompagné depuis le début et toujours on va vous accompagner dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Parce que nous, nous sommes en train de nous faire. Donc Kalidou Koulibaly s'est sacrifié. Pour que l'équipe du Mona qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que Kalidou Koulibaly, il va rater la finale. Donc il faudra gagner, pour Kalidou Koulibaly, votre frère Koulibaly, qui s'est sacrifié pour le peuple sénégalais. Il a accepté volontairement de se jeter parce qu'il sait que vous allez le faire. Il a su que, donc là, sans lui-même, vous pouvez gagner la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pourquoi il s'est jeté le football lui après. Donc, heureusement, donc ça s'est raté penalty. Donc là, lors de Dembo, il faut que Gaïa Khamne, donc le peuple est derrière vous. Tout le monde est derrière le Sénégal pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous allez jouer cette finale. Elle a remporté, elle nous l'a ramené ici au Sénégal. Nous avons joué la finale de Taï, bien qu'on gagne, comme ça, le Sénégal va être 0. Donc, votre frère, Demo Daounia. Donc, Demo Daounia, c'est un inconditionnel de Grégoire, un grand et fervent supporter des Lions du Sénégal. Je vais envoyer un message, mais ça, c'est l'émotion qui parle, et ça, c'est la fibre patriotique qui a parlé. C'est le cœur qui a parlé. Et je pense que Wahna, il a parlé pour tous les supporters du Sénégal. Donc, c'est lié à l'équipe nationale du Sénégal. Donc, je pense merci beaucoup. Ça, c'est le message de Demba Ndaounia. Donc, là, merci beaucoup, Demba, pour ce message. Et Djalé Nako, à travers Grégoire Omnisport. Coupe le New Bug. Sénégal, coupe le New Bug. Tiens,